Yo Minasan, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nzike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une live réaction au dernier épisode de Game of Thrones, donc saison 8, épisode 3. Ouais. Donc dans l'épisode précédent, on a eu pas mal de choses, ouais. C'était les préparatifs. Le calme avant la tempête. Le calme avant la tempête, et là on est dans la tempête. Voilà. Exactement. Donc on s'en sort tout de suite, parce que là il n'y a pas le temps d'attendre. On a assez attendu. On a assez attendu comme ça, ouais. Clairement. On se lance tout de suite. Go. Allez, Brian. Sir Brian. T'as été adoubé, donc là, il est temps de... On verra gré à la revoyure. On verra. T'es incroyable, toi. Tu m'auras pas. Ouais, tu m'auras pas tant que t'auras pas vu ton frère, toi. Ouais, c'est clair. Son histoire n'est pas terminée, il peut pas mourir ici. Ouais. Ouais, il en peut plus, Sam. Ouais, il est vraiment sur le champ de bataille, quoi. Oh, putain, dans le noir comme ça en plus. C'est bien inquiétant. Bah oui, parce qu'ils ont pas besoin de torches, tu vois. Et... Regarde-le. Quel flow il a. Tu sais, il a vraiment un flow royal, tu vois. C'est... Bah, de toute façon, voilà. Putain. What? Le retour! La dernière personne que je pensais voir. Elon Missas. Cassiro Sutpantus. Zobria Issas et Signotuledus. Ah oui. Ben oui. J'aurais dû m'en douter. Oh bah si elle vient donner des pour Europe, c'est parfait! Ah bah oui, elle est la bienvenue! Ah bah là c'est super clutch! Allez! Tu vois, go! Là, comment je serais confiant, là, tu vois. Non, mais l'autre, elle arrive et nous donne du feu. En plus, on a des dragons. Je sais pas, ça te rebooste en confiance, tu vois. Oh putain, c'est bien. Ouais. C'est beau. C'est pas dégueulasse. Ah, baston nu aussi, faut qu'on voit quelque chose, quoi. Eh bah, putain. On sent qu'il y a du budget là! Ah bah oui! Il y a du budget! Ah, ils sont là les salopards! Merde, on les voit pas les salauds! C'était quoi le gros truc? Je sais pas. Ah putain, ils se font dégommer! Allez! Bon bah ok, tu vois. Les dos craquis là. Là, je range ce que je disais, tu vois. T'as du feu, ok, mais. Oh, là 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 là. Puis de nuit en plus, tu vois. Le truc pour te faire flipper davantage, tu vois. Ouais, quand même. Allez, bien joué, Denis. Bon, par contre, fais attention à tes dragons cette fois, parce que faut pas te fouter, c'est pas le moment. Et support aérien, là. Et un peu de lumière aussi, merde. Ah ouais, c'est clair. Ah, et John, il a l'autre. Bah, évidemment. Okay. Cool. Ah, j'adore. Arya kiffe les dragons depuis le premier épisode. En même temps. Ouais. C'est la guerre. Oh non, c'est pas une guerre banale. Hein, là. C'est... Non, mais... Tu tapes contre des monstres. Ouais, quoi, tu tapes contre des morts. Quoi, c'est... Et c'est pas les zombies de Walking Dead. Oh, ah putain. Voilà, c'est le premier. Alors c'est Commodore. Parce qu'elle a pas besoin de le dire à sa tête. Oh bah, ça se voit qu'il fait froid. Hein. Ça se voit qu'il fait froid dehors. Ouais. Elle a pas besoin de dire un seul mot à sa tête, ça se voit que c'est la merde. Ouais. John!
si jamais on ne se revoit pas, sache que... sache que quoi? Est-ce qu'ils vont nous la faire, cette scène cliché, à un moment donné? Non, Je refuse de voir. C'est là qu'il faudrait un mage qui soigne les gens, là, tu vois. Plusieurs. Ah, plusieurs. Parce que, il serait vite débordé, là. Ouais, c'est vrai. Là, vous vous faites démonter, en vrai. Parce que là, ils envoient que leurs pions, tu vois. Ouais, voilà, c'est ça. Ils envoient que leurs pions. C'est sûr et certain qu'ils ont de l'artillerie lourde derrière, là. Là, les boss, ils sont derrière. Voilà. le géant aussi, il est derrière, sûrement. Ah, c'est... ils ont les gros calibres derrière. Le dragon, il est derrière. Alors, si là, vous vous faites soulever... Elle a sauvé le poteau. Oui. Elle, si elle meurt, j'écris une lettre à HBO. J'écris une lettre. C'est comme les cinglés. Bande d'enculés. Vous l'avez tué. Je boycotte votre chaîne. Et je ferai en sorte que tout le monde la boycotte. Voilà. Je ne regarderai plus votre série. Ça, c'est les trucs de mort, ça. Mmh. Ou alors passer coûte que coûte, ouais, même si, même s'il faut s'arracher la moitié Ils ont qu'un but, de toute façon, donc. Ils sont déjà morts, ils ont rien à perdre, comme dirait Brooke. Ils vont éteindre le feu, en fait, en se couchant dessus. Alors, il y en a qui se sacrifient, mais fuck, quoi. Ouais, mais voilà, ils sont morts, ils sont battus les couilles. Ouais, c'est des morts. L'instinct de survie, y a pas de ça. Ah là, regarde. Et ils sont pas cons, ces saloperies, hein. Ouais. Tu le sens? Ah bah, il est juste là. Ah, toi, tu t'attendais pas à ça, John, hein. Il faut absolument qu'il vienne, Tyrion. Il boit un coup, puis il analyse la situation. Il faut lui laisser le temps de boire un coup, tu vois. Ah, vite fait, toi. Ouais, c'est ça, vite fait. Tu sais, c'est comme du carburant. C'est... Ouais, c'est Popeye, quoi. Bah oui. Tiens, sur un jeu vidéo, dès qu'il boit une gorgée, tu sais, t'as compétence d'intelligence qui grimpe, tu vois. Peut-être même à buter comme ça. Ouais. Allez. Il y en a un qui est passé. Ah oui, voilà, forcément. Voilà. Là, tu peux pas tous les arrêter, hein. En plus, ils ont pas de défaut d'endurance, eux, donc... Ah non. Je suis sûr, la moitié, ils sont déjà crevés, là. Oh, putain de merde, la mort de merde. Ouais. Ah, le feu, lui, ça le... Non, mais ça le traumatise, là, il y en a trop, là. Putain, il est paralysé, les skins. Oh là là. C'est ton moment. Arya Stark. C'est pour ça qu'on t'adore. Hey. Mais il y a bien un moment où il va surmonter sa peur, quand même, quoi. Ouais. Ben, ça pourra pas rester son point faible jusqu'à la fin.